Triste journée, Winston. Oui, nul d'entre nous jamais ne l'oubliera. Jamais, Winston. Mais nous n'avons pas retrouvé son corps. Il y a peut-être un espoir du côté de Fran Croy en Égypte. Peut-être. Il ne nous reste qu'à prier dans l'espoir de son retour. Mais je crains que Fran Croy ne fouille en pure perte, que tous ses efforts ne demeurent vains. Évidemment, évidemment. Passons dans le bureau, messieurs, où nous pourrons nous épancher à loisir sur cet effroyable coup du sort. Ah, mon ami. Même le ciel est en pleurs. Ah, la pierre philosophale. L'une des premières découvertes de Lara, et l'une de ses expéditions les plus ardues, si ma mémoire ne me trahit pas. En effet, la cité de Rome porte toujours les stigmates de son passage. Ah, Lara n'a jamais été très douée pour la diplomatie. Mais avec elle, on ne risquait pas de s'ennuyer. Alors, beauté, on dirait que tu t'es mise sur ton 31. Ah, le charmant monsieur Larson. Pierre vous laisse sortir tout seul? Au fait, où est-il, notre cher érudit? Oh, il est pas loin. Tu as l'argent? Oui, j'ai l'argent. Mais je ne traite pas avec les sous-fifres. Pourquoi tu fais ta petite pain-bêche? Surtout que le sous-fifre, lui, il a la pierre de Mercure. Nous devrions trouver un terrain d'entente. Ah, on dévoile sa vraie nature, je vois. L'arrogance ne m'a jamais séduit, Miss Croft. Eh bien, je crois que la preuve est faite que les femmes ne sont pas douées pour les affaires. L'argent, ça va, ça vient. Pour grimper sur cette caisse, placez-vous en face. Appuyez sur la touche avancée, puis sur la touche action. Pour franchir cette courte distance, marchez jusqu'au bord, puis appuyez simultanément sur les touches avancée et saut. Essayons maintenant un saut plus long. Marchez jusqu'au bord, puis un pas en arrière et appuyez simultanément sur les touches avancée et saut.
Vous êtes prêt pour le grand saut. Marchez jusqu'au bord, puis un pas en arrière. Appuyez simultanément sur les touches avancer et saut. Une fois en l'air, maintenez la touche action enfoncée pour vous agripper au rebord. Pour effectuer un saut latéral, appuyez sur les touches gauche et saut. Pour vous balancer, sautez jusqu'aux barres et maintenez la touche action enfoncée. Appuyez alors sur la touche avancée. Afin d'escalader ce mur, faites-lui face et appuyez simultanément sur les touches avancée et action. Maintenez la touche action enfoncée et appuyez sur la touche haut pour grimper. Pour tourner le long d'une corniche, appuyez sur la touche directionnelle correspondante. Pour me faire ramper, maintenez la touche s'accroupir enfoncée, puis avancer. Pour actionner le levier, placez-vous à côté et appuyez sur la touche Action. Pour nager, sautez dans l'eau. Utilisez la touche Action pour nager vers l'avant et les touches directionnelles pour vous diriger. Pour sortir de l'eau, nagez jusqu'au bord et appuyez sur la touche Action. Pour jouer au funambule, marchez jusqu'à la corde et appuyez sur la touche Action. Appuyez sur la touche Avancée. Si vous perdez l'équilibre, appuyez sur la touche directionnelle opposée pour vous rétablir.
Thank you.
de gros bras. Arrête tes pitreries. Ben quoi? Idiot! Idiot! Arrête de jouer au cow-boy, tu vas attirer les Indiens! Ben quoi alors? Vous voulez qu'on la tue ou pas? Ta mère a dû te nourrir au whisky frelaté, hein? Et ton cerveau ne fonctionne plus très bien! Comment vous savez ça? Oublie ça! Oublie ça! Attendons qu'elle ait rassemblé toutes les pièces. Comme ça, nous allons toucher le gros lot sans faire d'effort. Sûr, c'est un sacré malin, chef! Et tu sais de quoi tu parles. Viens, descendons de ce toit, et je te paie une glace.
Voyons, Lara. Nous sommes entre amis. Pardon, ma belle, mais si tu pouvais ranger la quincaillerie, on pourrait causer. Bien. La deuxième pierre, je vous prie, Miss Croft. Venez la prendre. Ne perdons pas de temps en inutile fanfaronnade. Larson, fouille-la, s'il te plaît. Ah, beauté, je fais le plus beau métier du monde. Vous ne voulez pas voir les poches de derrière? Larson, assez! Assez! Ma patience est à bout, je vous avertis. La pierre, Miss Croft. Si vous enfoncez ceci dans cette porte, Pierre, vous allez avoir la plus grosse surprise de votre vie. Croyez-moi. Je vais l'y mettre, moi. Ce serait l'une des décisions les plus stupides de votre carrière. Et pourtant, je vous aurais prévenu. Encore une de vos farces, Miss Croft. Attendez un peu. Je vous l'avais bien dit. Que se passe-t-il? Qu'avons-nous fait? Imprudent comme toujours, vous avez enclenché le mécanisme secret de la porte. Quel mécanisme secret? Si ma mémoire est bonne, la porte a été réveillée. Et si elle ne reçoit pas deux pierres d'ici quelques instants... Si j'étais vous, j'attraperais Cro-Magnon là-bas et je courrais aussi vite et aussi loin que possible. Au revoir, mon cher.